Bonjour tout le monde, vous ne rêvez pas, vous êtes bien les gros rôles à star. Ah, c'est quoi ça? Un comptoir? C'est pour labourer les champs, ça. 10. Ensuite, j'espère qu'ils vont mettre un poney Shetland. Mais c'est quoi cette race des races les plus moches du monde? Ce petit truc-là? Oh, 9. Ensuite. Un poney. 8. Décidément, ils n'ont pas des chevaux. Fjord. Poney, toujours. Les poneys, ça sert à rien. Hein. Je sais pas vous, mais. Curly. Ah, mais ça, c'est les chevaux avec les poils ondulés. Ah, mais c'est moche. Oh, si, c'est un dommage qu'il n'y a pas la place nulle. Shire. On dirait le cheval de rebelle. Je le mets en 5. Je sais pas vous, mais moi je suis trop jalouse de ces crins. Franchement, j'aimerais trop avoir les mêmes. 2 alors. Camargue? Ah, mais c'est moche ce truc! Je savais même pas que ça pouvait exister des chevaux aussi moches. 4. Quarter Horse? 3, les chevaux de western. On n'est pas dans les cow-boys là. Hein. Et le premier, le percheron. Alors là, franchement, je vous dis, je suis super, super, super pas contente de mon classement. Parce que ils m'ont mis que des chevaux. Excusez-moi, ils servent à rien. Donc moi, je pensais avoir un classement des races de chevaux à peu près bien. Donc tous les chevaux de sport, tout ce qui est hanovrien, anglo-arabe, selle français. Parce que sinon, les autres, franchement, je sais pas à quoi ils servent. À part à faire labourer les champs pour les chevaux de trait et pour les poneys, faire les débutants. Mais moi, je fais pas des débutants. Hein. Je fais les Grands Prix 70, hein. Centimètres. Et ouais, ne soyez pas jaloux.